Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui le demandent, j'ai fait une commande chaîne, mais ce n'est pas un partenariat, donc je dirai mon avis sincèrement. Là, je vais vraiment donner mon avis sincèrement. Par exemple, si j'aime pas ça, je vais le dire sincèrement. Voilà. Donc déjà, voilà ma première tenue, c'est comme ça. Et aussi, j'ai une capuche. Et j'ai aussi une capuche. J'ai commandé tout ça. Je nage dans le shame. Bref, on commence par la première tenue et ça va être... Ah, celle-là. Ou celle-ci, je sais pas. Non, celle-ci. J'ai dit celle-là. Non, celle-ci. C'est une petite robe avec une ceinture. Oui, avec une ceinture. Donc c'est une robe comme ça. Vraiment, j'adore. En plus, j'ai pas de robe. Franchement, je l'aime trop. Donc c'est parti, je vais la mettre. Et la ceinture, pour l'instant, elle ressemble à ça dans son petit packaging. Donc voilà la robe. Donc je pense que je vais la mettre pour l'Aïd. Donc je me suis fait une petite coiffure vite fait, voilà. Donc deuxième tenue. Franchement déjà elle est trop belle cette tenue, notez-la moi en commentaire. Et je vais prendre ce pull. Ah mais c'est un pull. Donc comme c'est un pull, je vais mettre ce jean avec. Alors deuxième tenue. Donc c'est un petit jean comme ça. Avec ça, en fait c'est séparé, mais moi je les ai mis ensemble parce que je trouvais que ça faisait beau. Donc c'est un petit pull bubble tea, un pantalon pas de def, un jean pas de def. J'adore les jeans pas de def, je trouve que c'est incroyable. Cette tenue, je la valide à 100% et l'autre aussi. Alors on va piocher. Et ça va être ce pull. Ah, donc je vais dire un truc, je ne vais pas mentir. Ce pull, je l'avais pris en blanc. Et on me l'a donné en noir. Bon, je vais le mettre, on va voir. Il y a son pantalon aussi. Sa jupe, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un pantalon. Par contre, le pantalon est moche. Non, mais le pantalon est moche. C'est parti, hein. On va mettre ça. Tada! Troisième tenue. Donc j'étais dégoûtée parce que je l'avais pris en blanc et on me l'a donné en noir. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le mettre. En fait, j'aime beaucoup, mais ils me l'ont donné en noir alors que j'avais demandé en blanc. Et la qualité au niveau de ça, elle gratte trop. Donc je vous conseille vraiment pas d'acheter ça parce que ça gratte, mais vraiment. Ça gratte trop. Si vous voulez vraiment acheter cet ensemble, moi je vous conseille vraiment de mettre un débardeur, parce que sinon vraiment ça gratte de partout, la sensation est horrible. Donc je mettrai, je mettrai un 7,5 sur 10, parce que vraiment la qualité elle est horrible. Et en plus on voit pas très très bien ses cheveux parce que c'est noir et ses cheveux sont noirs. J'ai fait ce que fait. On va essayer ça. Quatrième tenue. La forme, elle est vraiment incroyable. Donc, c'est... En fait, il y a une capuche déjà. Il y a un truc, ça fait un truc. Ça fait un truc, voilà. Ça, c'est deux trucs, trois trucs. Trois trucs. En arrière, ça fait ça. Et avec la capuche, ça rend ça. Notez-moi en commentaire. Celle-là, en vrai, je la mets 8 sur 10. Prochaine tenue. Ok, donc cette tenue, je ne l'ai pas commandée. Mais ils m'ont envoyé cette tenue. Alors que je ne l'ai pas commandée. Donc déjà, ça enlève un point. Donc cette tenue, je ne l'ai pas achetée. Mais ils me l'ont envoyée. Je voulais la mettre 6 sur 10. Mais comme je ne l'ai pas voulu et qu'ils me l'ont quand même envoyé, je la mettrai 5 sur 10 parce que j'ai dit que ça enlèverait un point de moins.
Du coup, ça fait 5 sur 10. Car 6 moins 1, ça fait 5. Je voulais mettre ça. Mais c'est un pull encore, je crois. Attendez, on va regarder ça tout de suite en direct. Devant des millions et des millions de gens. Oui, c'est que un pull. Du coup, je vais mettre ce jean avec. Cinquième tenue. Donc, du coup, c'est pas un enfant, c'est moi qui a assemblé les deux. Donc, en vrai, c'est magnifique. Déjà, je vais parler du bas. Le jean est vraiment magnifique. Ça, le petit truc incroyable. Les papillons, ils sont trop bien faits. Mais le seul problème, c'est que ça sert trop. Enfin, ça te sert comme ça. Ça fait trop mal. Donc, ouais, je me suis craqué là, ça, du coup. Du coup, je sais pas quand je pourrais mettre ça. Un truc, par exemple, si je pars dans un aéroport, on va pas mettre ça. Parce que t'es pas à l'aise. Donc c'est vraiment pas à l'aise. La qualité est bonne, mais ça sert beaucoup trop. Je pense c'est pas de leur faute, mais c'est de ma faute. Parce que je crois que c'est du. Ah bah non, c'est du 10-11. C'est moi qui est grosse alors? Pourquoi tu rigoles? Du coup, je pense que la prochaine fois, je prendrai la même chose, mais en 14 ans, parce que je suis grosse. Non mais arrête de rigoler. Bref, du coup, le 10, je lui mets un 8 sur 10. Et le haut, je le mets à 8,5 sur 10. Regardez, de devant, ça donne ça. Donc, comme ça, je vais prendre cette ensemble similaire à la toute première, celle que j'avais au tout début, celle que j'avais déjà. Ah, je me suis griffé la joue. Donc, c'est pour tuer. Sixième tenue. Donc, c'est cette tenue. En fait, elle est similaire à la première que j'ai, à la toute première que j'ai mise. Même que quand j'ai dit hey les amis, je l'avais. Donc c'était celle-ci. La qualité est incroyable. C'est hyper doux. Ça vraiment. Ah, je sais pas. Je m'en dis ou pas? 8,99. Dernier t-shirt vêtement. Bref, ensuite on a un accessoire pour cheveux. Oui, c'est un accessoire pour cheveux. Et après, ce sera fini. Donc ça, c'est vraiment mon truc préféré. J'adore ce t-shirt. Et ce soir, je vais dormir avec, je pense. Hein. C'est des bonnets comme ça. Attendez, je vous montre. C'est des bonnets de nuit comme ça. Donc il y en a un noir. Je vais vous montrer comment ça met. Donc c'est trop simple à mettre. Mais ça, c'est pour les enfants. Hein. Après, pour les grands, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi sur le site Shein, allez voir, moi je ne sais pas. Ah, ça m'énerve. Bref, voilà, donc ça c'est le noir, comment ça rend. Ensuite, donc il y en a un. Attendez. C'est trop simple à mettre. Je mets une seconde. Alors que avant je prenais le bonnet de ma soeur, Eva. Et c'était trop énervant à mettre. Parce qu'il était trop grand. Donc ça c'est le rose. Il est trop beau aussi. J'ai pas de préférence. Mais je pense que mon préféré c'est le noir. Donc je vous montre vraiment comment c'est hyper simple à mettre. Regardez. Et donc ça se met en 10 secondes. Et là, vous avez une touffe de cheveux. Donc moi, je conseille ce bonnet aux personnes qui bougent vraiment dans la nuit, comme moi, parce que je bouge trop dans la nuit. Et du coup, mes cheveux au matin, quand je me réveille, ils sont tout truc. Alors que même si je fais comme ça, bah, le tissu protège mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a vraiment plu. J'ai adoré critiquer mes propres vêtements. Ça peut être bizarre, mais pour moi, c'est normal. Voilà. En tout cas, j'ai adoré mes vêtements. J'ai adoré dire la vérité et ne pas mentir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et d'ici là, prenez soin de vous.